Allez, bref, on va pas trop s'éterniser dessus, je me suis fait chier déjà à faire des options, ça m'a complètement fait bugger mon ordi, sérieux, on s'en fout. Donc, Cube est un jeu powered by Technology, et en fait a été en fait la musique j'aime bien ça me plaisante. Vous trouvez pas ça, c'est calme. Bon, à propos, je m'excuse, hein, ma voix est avancée encore par rapport à la vidéo, mais j'ai un gros problème, j'arrive vraiment pas à utiliser Audacity. J'ai beau essayer, malheureusement, quand j'enregistre le dossier, ça m'enregistre pas parfaitement. Moi, je veux un dossier en MP3, un truc comme ça, mais ils veulent pas. Enfin, c'est de la merde. Bref, revenons au mon petit jeu. Cube, qui pour moi, donc, powered by Unreal Technology et développé par Toxic Games, est un jeu de réflexion et de réflexion de plateforme. C'est pour ça que je le mixe un peu entre Minecraft, enfin pour moi c'est le mix parfait de Minecraft et n'importe quel deux. Minecraft pour les cubes, un peu. Enfin c'est pas trop une liberté, mais on voit par rapport aux cubes en fait c'est ouais, donc seulement les cubes. Et Mortal 2 c'est pour ce, avec toutes les sortes d'énigmes qu'on pourra sûrement trouver dans ce jeu. Déjà aucun problème, c'est par rapport aux jeux comme Call of Duty Modern Warfare 2 ou Modern Warfare 3 où j'ai dû faire des réglages, bah là j'ai dû tout mettre au minimum pour pouvoir jouer en fluidité. Là, déjà rien que sur là, bah tu joues assez fluidement. Et c'est bon que je viens de dire le jeu. J'ai l'impression d'avoir une musique un peu forte. Ouais, bah pas mal. On va juste baisser d'un cran parce que là. J'ai déjà baissé, hein, pourtant j'ai déjà baissé. Mais pour les oreilles, ça fait fort. Voilà, ça calme un peu, j'ai l'impression. Pas beaucoup, mais bon, de toute façon, on va faire sans le plus important, c'est quand même content. Et j'ai peut-être oublié de vous dire, ceci est un walkthrough. Alors pourquoi j'ai voulu faire un walkthrough sur le cube? C'est parce que moi, c'est pas un jeu où, comme GTA, tu mets 30 heures au minimum pour pouvoir finir le jeu. Non, non, là, j'ai envie de faire un jeu où je réfléchis, c'est pas du tout mon genre, c'est pour ça que ça va être extrêmement chiant. Donc c'est parti, new game. Oula. Wow. J'ai l'impression d'avoir les graphismes assez bas, pourtant j'ai fait aucun réglage. C'est peut-être en étirant en 16 neuvième. Waouh. On entend le kilomètre et tout. M'excuse encore hein, si on entend ma voix. Ok. Waouh. Par contre j'ai oublié d'ouvrir la commande, merde. Oh, c'est phénoménal. Le jeu a l'air fluide en tout cas, enfin sur la cinématique. De toute façon je ferai les options. Okay. Carrément les clignements d'yeux, c'est du pur FP, first person réflexion. FPR, allez, on va appeler ça un FPR. Ouah ce phénomène. J'ai l'impression d'avoir vraiment la qualité basse hein, par rapport à... Parce que j'ai vu le trailer qui était phénomène. Oh mais c'est excellent, j'ai fait aucun réglage. Ce jeu est seulement sur PC. Hein. J'en profite. Ce jeu est uniquement sur PC, il prend même pas. Moi j'ai un ordi qui est extrêmement très long, il m'a mis 7 heures pour télécharger MW3 et 14 heures pour télécharger MW2. Alors, bon c'est normal, j'avais laissé allumer, j'avais éteint en fait pendant la soirée et j'avais pas continué. Alors bon, tout ce que je... J'ai entendu un bruit. Ah d'accord, c'est quand on tombe. Donc avec espace on peut se tomber. Avec Z, S et Q et D on peut se déplacer. J'ai l'impression que c'est la seule chose qu'on peut faire. Avec clic gauche, on peut faire des lumières, c'est marrant. Ah, avec... Alors, oula, ça fait très portal ça. Clic gauche, c'est bleu, clic droit, c'est jaune. Bon, on va avancer, je pense. Ça commence déjà un peu fort, on dirait un peu Limbo, où tu sais, tu commences sans vraiment savoir quoi, et je pense qu'on va finir sans vraiment savoir quoi non plus. Putain, c'est vraiment magnifique, hein. Obligé de... Je me suis dit merde, je vais faire un walkthrough, tout va être baissé, mais regarde-moi, j'ai tout laissé, mon ordi il est complètement naze et j'arrive à le faire tourner parfaitement. Ah putain. Wow, oh, putain, ils m'ont fait peur ces salopards. Wow, c'est horrible. Ouh là là. Je sais faire quoi là? Hein? Hein? Mais ça sert à quoi ces cubes?
Putain, mais j'ai absolument rien capté. C'est un rouge. Ah, ça veut dire qu'on a vu en absent. Ah, t'as vu, les doigts deviennent rouges. En fait, on a l'impression que quand tu fais cette position-là, il découvre un peu ses mains, c'est trop bizarre. Ah, intriguant. Oh. Je vous dis que c'est Minecraft. Ah oui, d'accord. Donc, clic droit pour monter les cubes rouges. Et... Non, clic droit pour les descendre, justement. Bon, mon personnage fait d'autres cubes. Bref. Par contre, ça fait un peu laguer, c'est quand il sort ses mains et qu'il la reprend, ça fait un peu laguer. Ah, ça peut aussi faire, hein, c'est... Ok. Bon, rien de très dur, hein, ça se fait un mal. J'espère que je vais pas être déçu. Uniquement sur PC, hein, je rappelle, c'est un... Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il est vieux? Je vais vous expliquer un peu le truc d'abord. J'aime beaucoup les bruitages. Oula, ça fait un peu... Regardez, quand on pose la main... Attends, tac. Là. Regardez, là, il y a l'ombre, puis quand on recule, hop, là, ça fait un peu bizarre. Donc, ce jeu est sur PC, hein, il est en online aussi, apparemment. Je sais pas pourquoi il y avait marqué jeu online. Et, Hein? Censé faire quoi là? Je peux pas passer. Ça sert à quoi ce truc? Ah! D'accord. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est final. Oh putain, je savais pas. Boum. Merde. Ah, c'est phénoménal. Ah, oh, putain, j'y arrive pas. On peut pas sprinter, genre. C'est un peu chiant ça, on a un peu de... Ah, oh, mais c'est génial. Ah, merde, là, je me suis couru. Oh, mais c'est phénoménal. Là, c'est bien vite chiant, en fait. J'essaie de trouver une tactique. Ah! Voilà, pas là. Oh putain. Il est complètement truqué. Putain de... Ok, putain, ils auraient pu le préciser. Bref, le début est un peu... Bah, c'est Limbo, ça ressemble beaucoup au Limbo par rapport à ça. Le début est complètement incompréhensible, on voit quelqu'un qui est complètement chaos avec des grands bizarroïdes qui est perdu en fait dans les idées. Ah, une nouvelle couleur. Wow! Je sais pas si... Hein? C'est quoi ce bruit? Tac. Tac. Ah ouais, c'est chou. C'est chaud en fait. Enfin, ça me sera plus chaud pour les prochains trucs. On peut... Attends, je vais sur... J'aime bien ma petite vue. Ça me fait vraiment chier que moi en train de m'abandonner. Je m'en excuse. Bon, ça. Et ça. Voilà. Eh ben, je comprends un peu le truc là. Bon, ce sera pas très compliqué, je pense. D'accord, si je saute comme ça. Si je saute comme ça, putain. Bon, ah mais putain, mais ça me fait chier. Putain, j'arrive juste pas à contrôler ce personnage. Mais pourquoi il va sur le côté? Il est totalement con. Ok, d'accord, en fait, si t'appuies pas sur avancer pour sauter, il va pas trop, mais si tu le fais trop, il va trop loin.
Ah ouais, par contre c'est un gros fail du jeu, on peut pas avoir son personnage, je pense que c'est fait exprès. Ah ça fait vraiment chier, c'est vraiment une très mauvaise tactique de leur part. Succès déverrouillé, Quick Understanding of Block Extruction. Ah oui c'est justement Quick Understanding of Block Extruction, c'est justement les initiales du jeu. Je suppose qu'il faut faire ça. Voilà. Non c'est pas comme ça. Ça va, le début n'a pas l'air extrêmement dur. Oh, c'est un peu bizarre qu'on fasse une personne. À moins qu'en fait on ait que des 1. Comment je vais pouvoir sauter à la... Ah, d'accord. Bon, comment je fais là? J'ai pas compris comment je peux faire. Putain, ça me fait chier, hein, vraiment. Le contrôle pour sauter est vraiment chiant quand tu dois faire des... quand tu dois monter des marches. Ah bon, il faut faire plus. D'accord. Ok, c'est max. Ouais. Rien à dire sur le jeu, il a l'air plutôt sympa. Il n'y a pas beaucoup de challenges au début, comme dans tous les jeux de réflexion. C'est vraiment bien trouvé là. Au début, pas très imaginatif, mais bon, ça, c'est ce qu'on voit sur... C'est devenu une mode un peu, le genre de début. Début tranquillou là. Enfin, le début où tu sais pas trop à quoi tu t'attends. Ah non, faut pas que je fasse comme ça. Mais... comme ça, je pense. Et comme ça. Voilà. Aïe! Voilà. C'est plus comme ça. Voilà. Ah bah ça va, hein. J'enchaîne assez rapidement malheureusement parce que je trouve ça c'est un peu chiant. Ah! Quoi ce bordel? Mon dieu, mais j'ai... Putain, j'ai cru que j'allais me faire écraser. Voilà. Putain, c'est flippant en fait quand tu me bouger un truc. Bon. Ok. Si on fait ça. Comme. Allez, on a dû avancer. Mais ça va me servir pas à grand chose, j'ai l'impression. Pour aller là. Ok, je vais me faire un gros savoir en fait. C'est bien comme c'était. En fait, comme je disais, c'était un peu chiant parce que voilà, t'as pas vraiment de scénario. Tu joues au point quoi. Ah putain. Ah, peut-être qu'il faut que je recule. Ah merde, non, je peux pas. Ok, c'est la tactique que je vais faire. On va faire comme ça. Eh ben excellent ça. Mais je suis PGM moi. Mais attends, ça me fait le même truc que l'autre. Hé, hey, je contrôle plus le truc. Secteur 1 complété. Ah d'accord, il y a 9 secteurs, d'accord, c'était ça du petit truc comme ça. Ok, et là je contrôle rien, ça va. Ok, ok, d'accord. Putain, il y a 9 secteurs à faire. Bon, je vais faire des vidéos de... Qu'est-ce que c'est que ce cube? Eh, j'avais pas au début. C'est même pas un cube, c'est un truc ici. J'arrive pas à monter dessus, ça me fait chier. Vraiment, les contrôles de saut sont un peu chiants. Ouais, il n'y a rien de spécial, il sert à que dalle en fait. Hein? Hein? Le cube il était là.
Ah, intriguant. La Kodak. Donc en fait le cube, ce cube là il sert totalement à que dalle. Il faut juste le placer à un certain endroit. Il faut rien faire avec. Ah, ok d'accord, en fait c'est juste un cube qui vient. Ce saut me fait chier, sérieusement le contrôle des sauts conventionne vertement les armes. Bref, en tout cas, en fait, ce cube, il sert pas franchement grand chose à part être cassé, en fait. On pourra rien faire avec. Ok. Ok, putain, c'est chaud. Voilà. Et je passe comment moi? Ah, moi je vais mettre en rat. Désolé. Ouais. Excuse-moi, je passe comment là? Il me fait chier ce cube. Il me sert à rien ce truc là. Je me suis fait niquer ou quoi? Attends. J'arrive pas à comprendre. En fait, il y aura tout ça. Je comprends pas c'est quoi. Ouais, ils volent, mais ils servent à quoi? Ah, d'accord, je crois avoir compris. Si on fait ça. Ah! Putain, j'ai du mal. C'est chaud. Il faut réussir. Putain, il faut réussir à plus de tout le monde. D'accord, faut... en fait, faudrait que j'active les deux. Oh putain. Nac. En fait, je me suis fait chier à faire un truc sans que ça se servait, quoi. Oh putain, je me cherche trop compliqué. Ok. Petite glissade. Non. bon, ça m'a l'air déjà plus simple. Tu me fais tous les trucs là-dedans. La porte là. Ça va, pour l'instant j'y vais tranquille. Et voilà. Un, deux. Putain de simple. Hop. Bon, le début je le trouve quand même bien simple. Je suis censé passer comment? D'accord. Non. Pas d'accord. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon bah ça va pour le début. J'ai déjà fait le premier secteur. Là, j'ai peur. What the fuck? Bref, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi il y a un truc comme ça, je suppose? Hein? C'est quoi ce truc? Est-ce que je peux extraire?